gros, bah, première journée, enfin deuxième journée à Chamonix sous la pluie. Ça va être bien fun. Là, ça marche. Ça va, ça mouille pas trop? Non, ça va, c'est cool. Ça va. Enfin, c'est cool, c'est pas cool, mais ça te dérange pas. Là, on va manger. On a bien fait de dire aujourd'hui, on se reposait. Ouais, j'avoue. Là, on va manger un petit ramen, donc rien à voir avec les plats de la montagne. Non, mais ça va faire très bien. Et après, on va aller se faire une petite rando dans des gorges, ouais. Les gorges de la Diosa, ça s'appelle. Donc, on reste dans le thème de l'eau, quoi. Coucou. Bon, on a bien mangé. On a mangé des ramen. C'était grave bon. Ça vaut pas un ramen, hier. Par contre, elles sont bien meilleures à Rennes. Celles qu'on mange à Rennes, elles sont beaucoup meilleures, bien meilleures que celles qu'on a mangées aujourd'hui. Mais bon, ça fait toujours plaisir des ramen. Ouais, c'est vraiment une petite boîte. Ouais. Là, on vient visiter les gorges de... La Diosa. De la Diosa. Et on commence par une petite grotte. C'est vraiment une petite, petite grotte. Pour une fois, je me sens grand. Ah, t'es toujours pas grand, t'inquiète. Ah oui, c'est vraiment une petite grotte, en fait. Ah oui, d'accord. Bon, bah voilà. Ah bah, c'était bien. C'était sympa. Le tour était très long. Voilà. En fait, tu mets un lit, quoi. Ouais. Ah, pas mal. Voilà. Merci qui ? C'est Jackie et Michel. Ta gueule. Valide. Alors, où est-ce qu'on est? On est gorge dans les gorges de la Diosa. Donc, pourquoi on appelle ça une gorge? Parce qu'une gorge, en fait, c'est très profond et c'est entaillé dans la roche. Donc, dis-moi, mon cher Jamy, est-ce qu'on pourrait pas appeler ça une gorge profonde? Voilà. Il me fatigue. Ça fait 5 fois que j'entends la blague. Il me fatigue. J'en ai marre de cet homme, là. Quatrième matin, on a été à la boulangerie s'acheter une petite baguette, des petits sandwichs. On part en randonnée de 4 heures. On va partir vers 11 heures. Là, il est quelle heure? 10 heures? À peu près 10 heures. On a passé une nuit assez compliquée. Enfin, moi en tout cas, toi ça va, t'as bien dormi. Ouais. Moi j'ai passé une nuit assez compliquée. Hier, on a eu un énorme orage, de la pluie. Du coup, la tente elle était assez mouillée. Tout était humide dedans. Moi j'avais froid. Un petit peu horrible la nuit. Mais bon, là on prend un bon petit déj. On va se préparer après. Soleil. Mmh. Ouais, le soleil. Montagne toujours. Ça ne change pas. Ah, j'ai une petite bête sur le doigt. On est parti. Voilà. Ça va être sympa. J'ai une douleur au genou qui est horrible aussi. Donc, je vais peut-être m'acheter une genouillère. Ouais, la randonnée du dimanche.
enfin bon. C'était compliqué. Et c'est quoi le nom de la rente? Enfin, c'est où qu'on va déjà? Au lac de... Au lac Blanc. On va au lac Blanc aujourd'hui. En d'autres 4 heures. C'est quoi, 2h30? 1h30? Je pense. 2h30 à aller. On arrive au lac Blanc et 1h30 de retour. Parce que je vais paniquer parce que j'ai le vertige et il y a plein d'échelles à monter sur la montagne et tout. Je pense que ça va être compliqué. Pas plein. Quelques échelles. Un petit peu d'échelles. Bon alors, ça va? Ça va ou quoi? Non. 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 Tu n'as rien de plus, ça ne va pas. Mais si, ça mais va. Par contre, j'ai plus mal au genou. C'est pas trop incliné en vrai. T'as plus mal? Nickel. Ouais. J'ai dit, il fallait que je chauffe. Comme ça, je chauffe. Ouais. Bon, après, je vais souffrir demain, mais... Ça fait combien de temps? Ça fait... 30 minutes exactement. Allez, 2h30, ouh. Ça va, on y est presque. Ouais. Ça fait 1h30 qu'on marche. 11h50 midi, on est parti. Là, on a fait des trucs comme ça. C'est pas bien. Je sais pas si c'est cadeau. On passe entre les cailloux là. Ça va être chaud. Ouais, c'est que des cailloux, faut grimper là. Il n'y a plus vraiment de chemin. Des merdes. On a rangé mes cannes. Bon hein. On a rangé mes cannes de grand-mère. Attends, il est lent lui par contre. Hein. Franchement, Cannes, t'avises. Ouais, c'est toujours le dernier là. Oh là là, j'en ai marre. Attends, regardez sur quoi on tombe. Ouais, sans blague. Oh. Oh là là, j'ai peur un peu. Ça charge ça ou pas? Ouais, ça pue. Et si tu le regardes? Non, on le regarde pas. On va pas trop le regarder aux yeux, ils ont des yeux de si. Démon quand même. Sans blague, comment ils regardent, frère? Mais écoute, quand mon copain, je vais te dire, tu vas descendre la montagne. Oh, mais comment il t'aima? T'as vu comment il t'aima? Ouais. Oh, c'est... Mais il y a pire. Oui. Ouais. Ça va. Je peux pas se regarder. Ouais. C'est un peu rocailleux quoi. Bon, ça fait faire une petite heure là qu'on est parti. Ouais. Il reste 2 heures pour attendre l'arrivée. Ouais. En vrai, par contre, la vue elle est vraiment pépite. Hein. Elle est bonne? Elle est belle la vue quoi. Magnifique. Il a quand même dit, ça a l'air d'être un peu moins raide. Je suis pas sûre de l'information. Par contre, c'est trop beau. Hein. Breathe down.
quoi? On a le droit de se baigner? Ouais, je pense. Je sais pas, le panneau là-bas c'est rouge donc tout le monde. Je sais pas. Au pire, on s'en fout. Les gars, on est arrivé au lac. On a fait 3 heures de marche. On est à 2200 mètres. Incroyable. La vue est incroyable, enfin, c'est pépite. J'ai archi mal aux genoux, par contre je vais prendre énormément la descente. Elle va me faire énormément mal, je pense. Mais bon, c'est tellement incroyable que tant pis, ça vaut le coup. Alors? Je suis forte. Je te déteste, mais je suis forte. Ça va? Non, je reste ici. Non, tu peux pas. Mais regarde ce qu'il y a en bas! Bon, alors, votre ressenti, madame Dubosque? C'est très haut. C'est très haut? Mais j'ai encore monté tout ça. Enfin, descendu, je veux dire. Mais ça fait peur. C'est raide, hein? C'est hyper haut. Pourquoi je souris alors que j'ai pas envie de sourire? Vas-y, mais viens, on va dans la maison. Je suis pas trop. Des vaches? Il y a moyen, il hein. Y a des cloches en tout cas. Ouais, on sent les cloches. On voit la route, alléluia! En plus, il y a du plat. Non, mais que dans les mots. Ah ouais. Ça va, la petite fin de randonnée. La fin de randonnée était tranquille, hein, Sarah? Ouais, bah ouais, enfin, il m'avait dit qu'il y avait 4 heures de randonnée, ça fait 7h30 qu'on est parti, mais ça va. Tout va bien. Allez, il m'a dit mardi, on fait une randonnée qui dure 8 heures. Sachant que là, il m'avait dit 4 heures, ça a duré 8 heures. On verra hein, mardi. On va s'arrêter au jardin. La terre ferme. Ah ouais. C'est une baiser.